Eh bien, bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle subodition sur le camp de Testalos, qui n'a jamais eu de chance, figurez-vous Testalos, puisque trois summon sessions qu'on a fait sur son camp, et trois fois il a eu que chi, comme diraient nos amis de quelque part sur la France, d'accord? Donc on va voir ce que ça va donner cette fois-ci, 87 vélins de type mystique, mystical scroll si on dit en American, et ça devrait le faire. Alors est-ce qu'il a assez de mana d'ailleurs? Oui, 1 million, c'est bon, 65 cristaux, donc on voit que le mec a fait les fonds de tiroir. J'espère que ça va bien se passer pour toi mon petit frérot, et qu'on va pouvoir avoir quelque chose de sympa. On rappelle que la summon session précédente, nous avons invoqué Shaw, alors que c'était la première, censée être la plus mauvaise, théoriquement, au niveau des statistiques. C'est les statistiques qui disent, c'est pas moi, d'accord? J'ai du mal à dire le mot statistique sans cracher, d'ailleurs, c'est assez dégueulasse. Stats. Ouais, les stats. You know the stats. Ouais, mais ça fait un peu trop bureaucrate, quoi. Ouais, tu peux me passer vos CBD sur les stats. C'est un peu la honte, quoi. T'es gitane, là, sous le mot. Quelqu'un a une garrot, quoi. Bah attends, je vais l'invoquer, lol. Merci à tous. Waouh, quelle blague incroyable, on aurait dit. The place. Wow, the place. Bon, quelqu'un fume des vogues ici peut-être? Jean-Marc, Colouane, tu permets de dossier compta, ouais. Salut, moi c'est Jean Vogue. J'adore tout ce qui est petite fumette comme ça. On va se retrouver avec des beurrettes à chicha, les gars. Bon, 75 vélins mystiques et on a toujours rien invoqué. Parce que là, on rigole. Mais est-ce que Testalos va pas avoir la malchance? Qui est censé être pour la première semaine sur... Ah, des étincelles. Donc, c'est bien ça. Il a eu fumé. Fumé, très très bon, mesdames et messieurs. Donc, de type feu. Et comme on le dit si bien chez nous, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, c'est logique que ce soit un élément feu, mesdames et messieurs. La citrouille d'Halloween, qui est très très bonne, qui a multi-hit, qui fait beaucoup de damages. C'est un mob que moi, personnellement, j'aime bien. Multi-hit sur skill 1, qui sert beaucoup pour Nécro. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à le monter. Voilà, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Je ne vais pas... m'aventurer dans d'autres choses, mais c'est un très bon mob. Allez, on continue tranquillement dans la joie et la bonne humeur. Ça fait longtemps que t'as pas invoqué, non, Reddy, toi? Oui, très longtemps. Hein. Ouais, tu. Ouais. Mais comme il joue pas, il a rien pour invoquer. J'ai rien pour invoquer. Et... Mais tu joues même pas. T'as même pas fait l'événement pour lancer les dés et tout. Si, mais je suis pas allé au bout. Non, trop long à faire en fait, ça m'a trop saoulé. Mais c'est pas trop long, tu fais ça. Enfin, t'es obligé de tuer 30 mobs par jour, 10 wins en arène, ça casse les couilles. Ça, moi je l'ai pas fait ça, non, tous les jours. 10 rentrées dans l'arène, c'est facile mec, t'es sérieux. Ça se fait pépère. Bah, les arènes, ouais, mais enfin, faut win 3 fois en donjo, c'est pas ça le délire. Je crois que c'était 30 fois. Non, c'est. Tu as lancé 3 scénarios, mais. Tu lances 30 fois ça, le scénario. Moi, il y a plein de trucs que j'ai pas fait, j'ai fini 3 fois le jeu en fait, enfin le plateau. Oui, mais tu t'en fous quand tu farmes Femon ou ce genre de trucs, tu vois. Ou même quand tu fais Donjon de Kéros, voilà, je veux dire. C'était facilement faisable, Reddy. Reddy, tu n'as pas fait d'efforts. Voilà, améliorer des mobs. T'invoques avec tes vélins inconnus, là. Tu vois, là, et puis... t'en invoques 10, t'en fous de trop. Voilà, t'en fous par 10. Un, et voilà. Reddy, tu vois, il n'y a pas de recherche de ta part, tu vois. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas de communication, on peut le dire aussi. C'est juste que je m'en branle. Ah, d'accord. Bon bah, n'hésite pas à casser l'ambiance encore une fois. Alors qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Des étincelles et c'est Guildong, comme on l'appelle dans le milieu, le taoïste haut, messieurs dames, un mob 100% que j'ai food moi, mais à chaque fois que je l'ai eu. Moi aussi ouais. Ça reste un mob à haut qui reste sympa en haut, mais bon voilà, il y a vraiment mieux, on va pas se le cacher, c'est pas le mob de l'année. Hein. Il n'a pas été élu mob of the year, comme on pourrait dire. Oh merde, j'ai passé, je suis un connard, c'est le haut russe-feu. En haut russe-feu, moi je suis pas hyper... hyper enjoué de ce mob, voilà. Moi les Horus et Anubis j'aime pas. Bah à part Kébézénuef, ou à part si on a comment ça s'appelle, 5 étoiles, le light. Je dis pas, mais sinon bon, c'est pas ouf. Sinon tu avais les prochains skins Summoners War, voici le lien si tu n'as pas encore vu. Ah merci Morkai, j'ai pas forcément regardé. Alors ce sera quoi? C'est des... Ah alors, d'accord, il y a les filles occultes. Il y a les filles occultes, elles sont en Annie, c'est trop mignon. Ah ouais j'avoue. Il y a quoi d'autre? Enfin il y en a 5. C'est des taoïstes les autres ou quoi là? On dirait des taoïstes. Alors attends, c'est les... Donc bon, il y a les brownies. Ouais, les brownies magiciens. Ouais, les voleurs fantômes. Oui, il y a les taoïstes. Et l'autre en bas, j'en les vagabonds. Putain, mais ça casse les couilles. Aucun de mobs que j'utilise. Et moi, j'attends les chimères. Eh, il y a mon chat qui est là. What the fuck? Eh, tu fous quoi là? Il était enfermé avec moi. Les gars, mon chat est enfermé avec moi. Mais nous, psst, psst. Dis donc. Sors, fais quoi ici? Attendez, sors. Je vais voir mon chat. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Je peux savoir? Regardez là, l'arme du crime, elle est là. Non! Regarde la caméra! Regarde la caméra, je te dis, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Enculé, va. Allez, viens, je vais te faire sortir. Je suis un pote, mon gars. Viens, on va sortir. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, t'es mouillé. Tu t'es pissé dessus? Non.
abruti par l'alcool ce chat. Bref, on est de retour. J'arrive, il y a un don, c'est super. Merci Skizo et le frérot, tu te rappelles de m'avoir RT la vidéo de tous tes 5 nats, j'ai refait le même avec Xeros Hype, si t'as envie de me RT, fais-toi plaisir. Ah d'accord, je vois que ça vient pour gratter des RT. Super. Apparemment 2€ le RT, hein, maintenant, c'est la nouvelle convention. Merci à toi Skizo, oui je me souviens. Bah j'irai voir parce que ouais, il y a quelqu'un qui avait fait un truc avec la Xeros Hype aussi. Qui était notre réaction. J'avais montré, il y avait Vital et Skinez encore à la maison à ce moment-là. Oui. Et c'était très sympa, voilà. Parce que moi, je mettais les vidéos au fur et à mesure. Donc c'était normal. Le chat qui coûte plus cher que mon PC. Non, mais ce chat, c'est un chat de gouttière, hein, les gars. Genre, croyez pas que j'ai 3 Maine Coons. Ça va la comédie aussi. j'en ai qu'un, c'est le louche. Le louche d'Ibritania, hein, mon rouquin. Mais sinon, les autres, c'est. C'est full chat de mort, quoi. Enfin, de mort, des chats normaux, quoi. Des chats que j'aime, tout autant que l'autre, mais. Normaux, mais ils sont immenses, hein, quand même. Ouais, ils sont immenses. Bon, après, voilà, écoute, moi j'ai un peu le secret pour éduquer les chats, quoi. On va pas se le cacher. Bah, d'ailleurs, toi, t'as vu mon Maine Coon, quoi. T'as été surpris. Ils étaient surpris, ils étaient là, waouh, putain, il est trop stylé, machin. Ah, oui, c'est. Il est beau, grand, et j'adore les poils longs. Bon, il est beau, un peu moins, lui, mais. Beau, grand, fort, belle gueule. Est-ce que ce serait pas le portrait craché de son maître? Bah, on peut le dire. On peut le dire, des poils longs, est-ce qu'on peut peut-être en parler de ma chevelure? Voilà, on dit souvent que elle le maître est où, ta barbe prend un animal. Écoute, ferme-la. Pour qu'elle repousse, il faut la raser. Parce que les gens comprennent pas, je crois. Alors, de quoi il faut raser quoi? La barbe, pour qu'elle repousse, il faut la raser, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que les gens qui disent, bah, pourquoi t'as plus ta barbe? Bah, je sais pas. En fait, tu sais ce qui m'est arrivé, ce qui m'est, franchement, tu vas pas me croire. Genre, là, c'est avant-hier, je vais me coucher. Et tu sais, je dors trop bien et tout. Et le matin, je me lève, j'avais plus de barbe. Et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est arrivé, quoi? Enfin, je comprends pas, tu vois. Heureusement que tu me poses la question là. Je tiens à me confier, connard. J'ai pris un rasoir de type Philips, comme celui-ci. Voici le bruit. Ça m'en fout, les gens, quand ils disent ça. Genre, t'es, bah, t'étais mieux avec une barbe. Bah ouais, et alors? Enfin, genre, mais c'est pas ça. Ça m'a fait bizarre, en fait. Non, mais en fait, oh, ta gueule. En fait, je préfère moi aussi la barbe. Avoir une petite barbichette. Le problème, c'est que au bout d'un moment. Quand ça fait trop, tu vois. Et du coup, ma peau, elle respire plus. Et là, j'avais un énorme. Bah, j'ai toujours d'ailleurs. J'ai une espèce d'énorme boule qui s'est formée, un bouton, tu vois. Parce que ma peau, elle était là. On peut plus respirer à cause de la barbe. Fais un truc, frérot. Et du coup, bah, je me suis rasé parce que ça me faisait trop mal. Et voilà. Mais par contre, j'ai oublié de me raser sur les côtés. J'ai toujours pas rasé. Donc là, je m'appelle Jean Rouflaquette. Hein, Jean Rouflaquette. Ah, bon, écoutez, c'est un peu dégueulasse. Ah, mais putain. Les gars, ils sont horribles. Ils sont horribles. Et les gens qui étaient là, qui étaient très très lourds sur le stream d'ailleurs. Non mais la tondeuse, ouais, ok, mais dans tous les cas, t'es obligé de la raser, tu vois. Mais bien sûr, tu peux la raser, j'aurais pu l'équilibrer ou pas, là j'ai juste voulu tout raser. Tu rases à blanc une fois de temps en temps, ça fait pas de mal, hein, non plus. Hein. Voilà, bien joué, voilà, je trouve un allié en la personne de Reddy. Reddy, oui, est-ce que les gens sont cons? D'accord, juste pas surpris. Merde. Mais est-ce que t'as une barbe toi, Reddy? Oui. Oui. T'avais pas de barbe la dernière fois qu'on s'est vu? Si, mais j'ai dû la raser avant de partir, je pense. Ah voilà, parce que bon, bah j'ai bien vu, moi tu me paraissais très jeune. Ce qui était surprenant d'ailleurs. Vu que t'as 47 ans, je trouvais ça vraiment très bizarre, quoi. Mais oui, oui. Non, bon, en général, je la rase avant, parce que enfin là je suis resté quoi, je suis resté 4 jours du coup. Donc ça va être le bordel après. Non, t'as bien raison. Après, genre, t'as une barbe qui ressemble aux cheveux de Vittel, tu vois, t'es dans la merde, quoi. Ah là, le jour où tu te retrouves avec une beubare qui fait la taille des cheveux de Vittel. Il y a moyen qu'il y ait un incident diplomatique. On va pas se cacher. Parce que d'ailleurs, Vittel, qui allait au coiffeur, voilà, tout le monde s'en branle, mais je le dis quand même, on a vu les petites photos sur Twitter, les gars. Bon, moi j'étais choqué. Jean-Maxime, là, qui est parti au coiffeur, 47 ans, là. Hop. Mais c'est vrai qu'il avait, il avait des longs cheveux. Il était temps. Une grosse touffe. Ouais, il était temps. Bon. Après, Bougalou, les bons tuyaux, les années disco 90. Et qu'elle a enculé. Bah, tant qu'il se plaît comme ça, hein, on s'en bat les couilles. Hein. Ah voilà, chacun sa vie. On s'est essayé de toucher le ciel avec ses cheveux. Hein. C'était un magicien. Ah, des étincelles, ça y est, enfin, ça revient un petit peu. Waouh, génial, c'est Miyang. Ouais. J'étais doubleur de musique pour Harry Potter à la base. Alors, il nous reste 13 vélins. Est-ce que ça va nous porter chance? Je ne sais pas. On l'espère en tout cas, parce que bah, Testalos, apparemment, ce n'est pas ton jour. C'est pas ton jour. Quand on arrive sur le dance floor, tout le monde se met à l'aise. Du verbe zalaiser. Oui. Allez, des petites étincelles et c'est Akassis. Ça, c'est un très bon mob. Ah. On applaudit. Voilà pourquoi fallait pas la farm au HOH. Excellent travail.
Voilà pourquoi il ne fallait pas du tout la farm au HOH, bien sûr, tout simplement. Hop, facilement. Ah, c'est très très bien. Alors, il y a moyen d'avoir les new skins, pardon, c'est vrai. Je vais vous mettre le lien sur le chat, les gars, histoire que vous mettiez à l'aise. Voilà. Tenez, c'est vrai que je vous ai pas filé le lien comme un malotru. Les skins, hop, voilà, les skins. Malotru. Et ils sont ici. Je vous ai mis le lien dans le chat. Et vous, sur YouTube, bah, écoutez, vous démerderez. Hein, parce qu'il y a un moment, je suis pas l'abbé Pierre. Alors, ça continue, messieurs, dames. Alors, je rappelle qu'il reste des Dark and Light. Est-ce que sur un Dark and Light, il peut y avoir un malentendu? Regardez. Il mal à la tête, Reddy. Après tout, il y a un. Okay, qu'est-ce qu'il dit? Il y en a un, il dit à mon anniversaire, Reddy avait mal à la tête. Comment il sait? Parce que Gigi en a parlé dans. J'ai déjà parlé, ouais. Ah, c'est bon. Pendant le live Overwatch. Ouais, bah, faut suivre. Si toi, au moins, tu suivais les lives, Skinnaise. J'ai suivi hier. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'entends pas les radios. On a eu donc l'agent Neostone. Même feu, que t'as gagné 3-2 le billard. Très, très bon mob. Enfin, 4-2 même. Ouais, 4-2. Bien joué à toi. Donc l'agent Neostone feu. Donc Lisa, excellent mob, surtout sur le troisième ski qui dispelle en masse et qui prend 3 personnes pour aller attaquer l'adversaire et lui mettre un bourre-pif. Donc ça, c'est vraiment. J'ai quand même utilisé le mot bourre-pif. Hein. Je me suis choqué. Petit bourre-pif. Un petit bourre-pif, quoi, à l'ancienne, les gars. Les tontons flingueurs. Et le ski 2 qui est très sympa puisque ça dispelle. Enfin, ça dispelle. C'est un strip. Sur une cible, ça enlève, il me semble, voilà, c'est s'il y a deux ou plusieurs effets de renforcement retirés, la jauge d'attaque de tous les alliés sera augmentée de 20%. Donc en gros, à chaque fois que tu attaques, ça enlève des effets de renforcement. C'est le petit fire, tout simplement. Allez, on continue, messieurs, dames. Alors, pas de 5 nattes hein, pour l'instant sur ce compte-là. Ça me fait de la peine un petit peu. J'avoue, j'ai une petite larmichette, mesdames et messieurs. Parce que bon, bah, c'est pas. Sur notre invité Stalos, là, il 85 vénin, rien du tout. Donc ça commence à faire mal. Je suis désolé, hein, je suis désolé. Donc on va devoir passer au Dark Knight. Il m'a dit qu'il voulait du DJ Santos. Donc moi je suis là pour respecter, mesdames et messieurs. Je suis là pour respecter les comment s'appelle les demandes de mes abonnés, hein, bien entendu. Donc on va lancer DJ Santos. Tout le monde se mise à l'aise. Oh, le lourd derrière, il casse tout le truc. Bon, mesdames et messieurs, DJ Santos derrière, on y va. Avec les vénins Dark and Light, il en a 6. C'est parti. Quand j'arrive sur le dance floor, tout le monde se met à l'aise. Et c'est une harpie dark. Comme on voit, harpie dark, mine de rien. Pour l'instant, DJ Santos, il commence tranquille, les gars, tranquille. Quand j'arrive dans le club, tout le monde se met à l'aise. C'est quoi maintenant? C'est Calicus? Ah non, c'est l'autre. Bon. Bon, c'est un requin coursier light. Pas dingue, pas dingue. On continue. Pas d'étincelle encore. Et c'est encore une fois le requin light. Wouh, super génial. Allez, le dernier des pièces d'invocation Dark and Light. C'est parti. Quand j'arrive dans le club, tout le monde se met à l'aise. Ah, c'est la momie dark. C'est la momie dark, les gars. Quand j'arrive c'est la momie dark. C'est la momie dark qu'on met pause à la chanson. C'est la momie dark, c'est un très bon mob qui a été monté par beaucoup de mes de personnes dans ma friend list, you know. J'en ai vu en rep qui était très très bon. C'est un mob qui tape assez fort. On a eux qui peut par exemple farmer Aiden si vous le souhaitez en lui mettant des runes tout simplement vampire. Mais ça reste un très bon momie dark. En tout cas, bonne nouvelle. Pas d'étincelle par contre, ça fait chier. Voilà, je vous le dis, ça fait un petit peu chier. Donc on va devoir remettre DJ Santos du début, messieurs dames. Le requin light x2, ça fait très très mal. Hein, par contre, à notre petite bourse. Mais le requin light, il donne quoi d'ailleurs? Non, je l'ai jamais vu. Non, il est dégueu. Il est dégueu. Ah ouais. C'est Acus en moins intéressant. Il a exactement le même sort qu'Acus, sauf que est quasiment le même passif. La différence, c'est que Acus, quand il tue sa cible, il récupère les dégâts qu'il lui a infligés à l'instant T où il l'a tué en heal. Lui, c'est 50% des dégâts qu'il a infligés qui récupère en heal. Donc, c'est moins bien. Et il gagne 50% de jauge d'attaque ou je sais pas quoi, un truc du genre. Ouais. Donc, en gros, c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Ouais. Celui que je trouve bien, c'est le vent. Requin vent? Ouais. Alors là, je t'avoue que moi, c'est Zephicus, de son petit nom. Calicus, Caliculiculus. Oui, de son petit nom. Je m'en souviens très bien, c'était un bon pote à moi. On y va, on relance DJ Santos, mesdames et messieurs, pour les deux. C'est parti. On se laisse embarquer. On espère pour lui que ça va bien se passer cette fois-ci. Mise à l'aise. Oh, oh. Quand j'arrive sur le dance floor. C'est kiki, attention. Je vais bientôt kiki. Oh là, oh là, oh là, je sens les vibes. Quand j'arrive sur le dance floor.
tout le monde se mise à l'aise. Pas d'étincelle, mais là on aura un bon mob, regardez bien. Quand j'arrive dans le club, tout le monde se mise à l'aise. Quand j'arrive dans le club, tout le monde se mise à l'aise. Tu dis de la merde sur le rock. Eh bien bonjour à tous, je dis de la merde. Quoi, 30% de sa barre de vie. Ah bah il a, d'accord, ok, my bad. 50% d'attaque bar, mais c'est full dégueulasse. 30% PV, ah pardon. Bah je l'avais up en fait. Donc du coup, c'est un connard. Bon, très bon, en tout cas. Quand j'arrive sur le dance floor, tout le monde se mise à l'aise. Oh, oh. T'as eu une autre harpie d'arc. Quand j'arrive dans le club, tout le monde se mise à l'aise. En deux fois, peut-être pas. Quand j'arrive dans le club, tout le monde se mise à l'aise. Bon, on pourra annoncer officiellement que... que Didier Santos ne fonctionne plus, quoi. Autre chose. DJ Santos. Je pense avec une sardine de Sébastien, ça doit marcher. Bon, bah écoute, c'est pas aujourd'hui qu'on aura notre très bon mob. C'est dommage parce que 6 Dark and Light, ça fait mal au cul quand tu les claques et que t'as full dégueulassitude, quoi. Honnêtement. Bon. Non, mais ce qui est horrible, c'est d'avoir des doublons, quoi. Genre, ce serait quand même pas deux requins, deux requins light et quand même deux Harpy Dark. Alors, Harpy Dark, c'est bien, mais bon. En avoir deux, on s'en bat un peu les couilles. Et donc, qu'est-ce que j'avais dit, une connerie, c'est 30% des PV, voilà. Ça, alors, c'est pire. Moi, j'avais dit 50% des PV, 50% de la jauge d'attaque à chaque fois que tu tues un ennemi. Moi, je l'avais up, le truc. C'est 30% des PV, donc autant vous dire que ce mob est dégueulasse. Hein, voilà. Enfin, dégueulasse. C'est comme tout, il est bien ruiné, il va faire des dégâts, mais bon. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. On peut faire un petit point, tout de même, le point météo. On a eu quand même... mais en fait, on n'a pas eu grand-chose... Ah si, quand même, si. Donc on a eu Taloïste haut, Miyang aussi. On a eu Fumé, cependant, très bon mob pour Necro, donc ça c'est l'avantage. On a eu Akasis, excellent mob de défense, on l'embrasse. Jean Valjean, bon, Nuker, mono-cible, pas trop mal. Lisa, par contre, c'est cool, là ça fait plaisir. Pour moi, Akasis, Fumé, Lisa, ça c'est le trio de tête, là, ici qu'on a manqué, qui est assez cool. Sinon après, bon, bah, c'est vrai que c'est pas forcément dingo, on va pas se le cacher, hein, messieurs, dames. Sur tout ce qui a été invoqué par la suite, je suis un peu déçu, mais bon, hein, c'est la vie, messieurs dames, c'est comme ça. Allez, je vous laisse ici pour cette VOD, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt, salut, au revoir.